Bonjour et bienvenue tout le monde. Je m'appelle Astou et aujourd'hui je vous présente une vidéo sur les différentes options qu'il existe en faculté de droit. Let's go. Si vous êtes nouveau bachelier, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et à vous abonner à la chaîne. La faculté de droit s'appelle en réalité la faculté des sciences juridiques et politiques. Comme son nom l'indique, l'étudiant va y apprendre toutes les matières relatives aux sciences juridiques et politiques de son pays. Mais pour cette première vidéo, on va juste s'intéresser aux différentes options qu'il existe en sciences juridiques. Et pour celles qui existent en sciences politiques, nous ferons une prochaine vidéo, Inch'Allah. Les différentes options qu'il existe en faculté de droit pour les sciences juridiques sont en effet l'option droit privé ou l'option droit public. L'étudiant devra en effet choisir entre ces deux options. Mais quand est-ce que se fera le choix de l'option? Il faut savoir que l'option ne se fera qu'au jour de l'inscription pédagogique. En effet, parmi les documents qui vous seront demandés pour vous inscrire pédagogiquement, il y a une fiche qu'on appelle la fiche d'inscription. Et c'est sur cette fiche que vous devrez renseigner votre option, qui sera, selon les cas, le droit privé ou le public. À l'issue de cette inscription, vous aurez une carte étudiante. Sur cette carte, vous aurez vos noms et prénoms, vos dates et lieux de naissance, le numéro de votre carte étudiante, mais aussi votre option. Option droit privé, droit public en première année. Il faut savoir qu'en première année, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux options. Les étudiants vont entrer en commun. Ils vont apprendre autant les bases du droit privé que les bases du droit public. Et le coefficient de l'unité d'enseignement du droit privé sera égal au coefficient de l'unité d'enseignement du droit public. Et les matières dominantes seront autant des matières du droit privé que des matières du droit public. Les étudiants régulièrement inscrits seront donc séparés en deux groupes, le groupe A et le groupe B. Et dans chacun de ces deux groupes, il y aura autant des étudiants du droit privé que des étudiants du droit public. Ils auront les mêmes professeurs, le même programme annuel et les mêmes évaluations. Ils verront le droit civil, le droit constitutionnel en premier semestre comme matière dominante. Et en second semestre, ils auront le droit constitutionnel 2 et le droit de la famille, entre autres matières qu'ils devront voir. L'option droit privé, droit public en deuxième. La différence entre les deux options va réellement commencer à se faire sentir en deuxième année. Les étudiants qui étaient regroupés dans deux amphis A et B en première année et qui auront réussi à venir en deuxième année sont regroupés en un seul amphi. Ils auront les mêmes professeurs et suivront les mêmes cours. Cependant, l'unité d'enseignement des matières dominantes sera largement supérieure à l'unité d'enseignement des matières non dominantes. Ainsi, si votre choix porte sur le droit privé, vous aurez comme unité d'enseignement dominante le droit des contrats et le droit pénal. Sur le droit des contrats et le droit pénal, ça fera un coefficient de 5. Et pour le droit public, vous aurez le droit administratif, le droit des finances publiques et TD pour chacun des matières. Ça fera un coefficient de 5. Ils verront d'autres matières, comme le droit des biens. Et en second semestre, ils auront, pour le droit public, les matières ne vont pas changer, car ils vont faire le droit administratif, le droit des finances publiques comme matière dominante. Et pour le droit privé, ils vont changer car le droit pénal va donner la place à la procédure pénale et le droit des contrats va donner la place au droit de la responsabilité civile. La différence d'option en troisième année. C'est vraiment en licence que la différence d'option va réellement commencer à se faire ressentir. Car dans chaque option, il y aura des sous-options. Le droit privé, il y aura l'option droit des affaires et le droit judiciaire privé. Et pour le droit public, il y aura l'option administration publique et l'option aux relations internationales. Pour chaque option, il y aura des matières qu'ils auront en commun et des matières qu'ils n'auront pas en commun et qui vont être choisies en fonction de la spécialité que voudra faire l'étudiant plus tard en master. Ainsi, même si l'option droit privé regroupe le droit des affaires et le droit judiciaire privé, beaucoup de cours ne se feront pas dans le même amphi. En effet, pour le droit des affaires, il y aura comme matière dominante
lieu de l'entreprise, mais également l'unité d'enseignement du droit social. Alors que pour le droit judiciaire privé, ce sera certes le droit de l'entreprise également, mais aussi le droit du contentieux. Ils ont d'autres matières en commun. Leurs cours se feront séparément. Et pour l'administration publique et les relations internationales, ce sera aussi le même schéma. Ils auront certains cours en commun et d'autres non. Et si vous réussissez votre licence, vous n'irez pas automatiquement en master. En effet, la faculté va procéder à une sélection. Et les étudiants sélectionnés iront, selon les cas, en master recherche et en master professionnel. Et si malheureusement vous n'êtes pas sélectionné, vous serez contraint de quitter la faculté. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur les critères de sélection en master et également les différentes matières que vous allez retrouver en master recherche ou en master professionnel. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.